Eh bien salut à tous les gamers et toutes les gameuses, c'est Grid, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 comme vous l'avez remarqué. Mais cette fois-ci, cette vidéo aura deux objectifs. Le premier, bah forcément, ce sera la réponse au concours des 300 subs que j'ai lancé il y a de cela, je crois, 3 ou 4 semaines. Donc forcément, vous allez voir le gagnant à travers cette vidéo. Et aussi le nom qui s'affichera à gauche de tous les participants. Vous verrez aussi également le tirage au sort que j'ai fait sur un site. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de triche, que c'est vraiment du hasard, quoi. Et que c'est pas moi qui choisis le gagnant, c'est l'ordinateur, si on peut dire. Et le deuxième objectif que vous verrez dans cette vidéo, c'est... Comment je pourrais appeler ça? C'est une vidéo un peu tagueulage. Voilà, j'ai une vidéo tagueulage. Car j'ai, il n'y a pas longtemps que ça, j'ai commenté un post, enfin une vidéo, sur une vidéo de Monsieur le V12. Donc oui, je suis Monsieur le V12 de temps en temps, je regarde 2-3 vidéos de le V12 quand c'est intéressant. Il avait fait une vidéo sur BO2 en ligue où il se faisait latter la gueule par un invisible, enfin par une personne qui avait un Wallach. Voilà, et il disait comme quoi les lobbies ça fout la haine, c'est chiant, ça casse le jeu. Bon, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc de ce pas, j'ai commenté sa vidéo, donc j'ai laissé un commentaire assez constructif, on va dire, et je lui ai dit que, enfin, et j'ai écrit que moi, j'ai réussi déjà 3 fois, je l'ai fait 3 fois, donc là vous voyez un des gameplays, mais je l'ai fait 3 fois, une fois sur interchange, une fois sur mission, une fois sur dôme. D'ailleurs, ça sur le dôme, je pense que je vais l'envoyer à code QG, et code CF. Mais voilà, j'ai réussi à mettre une Moab à un invisible. Voilà, tout simplement. J'ai réussi à mettre une mob à un invisible. Donc forcément, une personne m'a traité de menteur, forcément. Oh là là, tu mens, c'est impossible de mettre une mob à un invisible parce qu'il est invincible, bla, bref. Mais une équipe est constituée de 6 joueurs. Sur 6 joueurs, un invisible immortel, les 5 autres, eux, sont mortels. Donc eux, on peut les spawn kill sans problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, si vos équipiers vous aident à savoir où est l'invisible, vous devez faire quoi? Faire en sorte d'être à l'opposé de la map et de l'éviter. Si vous l'évitez, vous réussirez à sortir cette MOAB. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous voyez que j'ai très très mal commencé la game, j'ai fait vraiment de la merde, c'est le cas de le dire, hein. Mais voilà, au bout d'un moment je vais me placer correctement, je vais gérer 2 spawns et vous allez voir que ça va venir tout seul. Donc du coup, mes collègues, qu'est-ce qu'ils font? C'est que eux, ils essaient de trouver le lobby. Donc le lobby sur mission, c'est pas compliqué, hein. Parce que le mec, il disait, oui, alors le lobby, il va rusher. Non, sur mission, le lobby, s'il est pas con, il va pas rusher. Il va rester au middle de la map. On est en démolition. Donc forcément, il faut que nous, on aille sur A pour gagner. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il va rester au middle. Il va faire que du village, quoi. Il va rester dedans. Parce que forcément, tout le monde passe par là. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rester sur le côté gauche de la map et je vais gérer le spawn de la terrasse, on peut appeler ça, donc de ces dominations, et le spawn bah, où vous me voyez actuellement. Voilà. Bon, là je suis dedans, mais après je vais bouger, vous inquiétez pas. Vous verrez que je vais me placer sur le petit... comment on pourrait appeler ça? Le petit corniche sur la gauche, et je vais gérer 2 spawns, voilà, tranquillement. Et mes équipiers, eux, vont faire un peu les appâts, malheureusement. Bon, ils m'ont aidé, c'est vrai, donc je les remercie fortement. Voilà, ils vont m'aider en faisant en sorte que je voie où est le lobby sur le radar. Parce que sachant qu'il n'a pas assassin, donc je le vois sur les drones et sur les radars portatifs. Et quand il tire également, je vois son point apparaître, car il jouait au... sniper, si je ne me trompe pas, il joue à MSR. Parce que vous verrez plus tard dans la vidéo, quand j'aurai fait ma MOAB, ben, je vais commencer à rusher parce que je vais vouloir gagner la game. Mais il va me tuer, vous verrez que là vous aurez la preuve par A plus B qu'il est bien invisible parce qu'il va me tuer et que sur mon écran, ben, on le verra pas. Tout simplement. Donc voilà, donc le résultat concours sera un peu plus loin dans la vidéo. Voilà, maintenant je vous ai expliqué ça. Je vais vous afficher également ce qui s'est dit entre cette personne-là et moi sur le post, enfin sur la vidéo de Monsieur le V12. Donc cette personne qui ne me croyait pas forcément, donc je lui ai dit oh, pas de soucis. Je vais te poster la game où j'ai fait une mob face à un invisible. Et j'ai de la chance parce que comme j'ai pas enregistré en direct, j'ai dû la chercher dans mon coffre. Et heureusement, elle y était encore. Donc j'ai eu un coup de bol total.
Donc voilà pour l'explication de la vidéo du pourquoi je l'ai fait. Bon, ça me fait un peu braire de la sortir, oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça décale toutes mes autres vidéos. Hein, parce que du coup, celle qui devait sortir aujourd'hui, ben, elle sortira la semaine prochaine. Celle qui sort la semaine prochaine, elle sortira la semaine d'après, et ainsi de suite. Ça me décale tout, c'est pas grave. Et en plus, je dois poster une vidéo où on perd. On va perdre, voilà, je vous le dis, on va perdre. Forcément, il y a un lobby au score, on peut pas gagner. Hein, parce que à chaque fois qu'on va vouloir poser, ben, il va nous tuer. Donc voilà, ça le problème. Que dire de plus à part que je pense qu'on va passer maintenant au tirage au sort du concours des 300 subs. Donc depuis le début, vous voyez que les noms sont affichés à gauche de tous les participants qui étaient pas loin de la réponse, mais qui ne l'ont pas trouvé exactement. Parce que oui, je suis un peu un vicelard, vous savez que pendant les concours, j'aime vous faire travailler, j'aime vous faire transpirer, vous faire réfléchir. J'aime bien mettre un peu de challenge dans le truc, parce qu'un concours qui est trop facile à gagner, c'est pas drôle pour moi. Hein. Forcément, parce que quand je lis vos commentaires, parfois je rigole beaucoup, je dis, il y en a quand même qui ont de l'imagination, qui sont très très forts, qui sont très intelligents, qui trouvent parfois des bonnes choses, et qui m'ont même donné des idées pour mes prochains concours. Donc merci à vous, surtout Ultimate Dash qui m'a donné une bonne idée que je garde en tête. Enfin bref, donc je vous explique. Donc du coup sur la liste vous voyez donc les noms des gens qui ont participé, enfin pas mais ceux qui se sont rapprochés le plus de la réponse. Sachant que la réponse c'était gagne tes points PSN, Xbox Live ou Steam. Donc ça la plupart des gens l'ont trouvé, mais ils n'ont pas trouvé la subtilité. C'est le montant en fait, c'est gagne tes points PSN, Xbox Live ou Steam. Enfin non, pas comme ça, on va dire ça, autrement dire, c'est reçois tes points PSN, Steam ou Xbox Live grâce à ton âge. Voilà. En fait, c'est l'âge qui définit le montant de la carte que vous allez recevoir. Voilà. Plus vous êtes vieux, plus vous allez recevoir de points, forcément. Et plus vous êtes jeune, malheureusement, moins vous allez en recevoir. Ah, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit avant, mais je sais pas comment trop le formuler, mais enfin bref, le but c'est que voilà, vous avez compris, donc plus vous êtes vieux, plus vous gagnez de points, plus vous êtes jeune, moins vous avez gagné. Voilà, donc la subtilité c'était ça, c'est trouver le montant de la carte en fait, trouver ce qui donnait le montant de la carte. Parce que sinon le reste, oui, carte PSN, ça, tout, voilà, les 16 personnes affichées l'ont trouvé. Donc du coup, comme personne n'a trouvé exactement la réponse, eh ben j'ai gardé ceux qui étaient le plus proches. Vous voyez aussi qu'à chaque personne, j'ai assigné un numéro, qui vont de 1 à 16. Tout simplement pour que sur le site que j'ai utilisé, je puisse faire le tirage au sort, car en fait, c'est un tirage au sort de chiffres aléatoires. Donc du coup, je vais vous l'afficher en bas à gauche, vous allez voir. Donc je rentre la valeur minimale, donc qui est 0, et la valeur maximale qui est 16. Voilà, parce qu'il y a 16 participants. Et je vais cliquer sur générer, et ça va me donner un chiffre, tout simplement. Donc le chiffre qui sort, c'est le numéro 5. Donc on regarde sur la liste, voilà, le numéro 5, c'est Lightmax 71. Donc félicitations à toi. Donc tu as gagné tes points PSN, Steam ou Xbox Live selon sur quoi tu joues. Donc on verra en message privé forcément ton âge. Bon, triche pas, je te demanderai une petite preuve quand même, pas que tu me dises t'as 40 ans alors qu'en fait t'en as 10. Donc voilà, en plus si je me trompe pas, je crois que tu as une chaîne YouTube et que tu as un Twitter, donc si jamais ceux qui regardent cette vidéo, vous pouvez aller voir ses vidéos et le suivre sur Twitter si vous voulez. Par la même occasion, faites pareil avec moi, hein, forcément, je fais de la pub pour les autres, mais soyez pas radin avec moi non plus. Enfin bref. Donc sachez que je fais souvent des concours, comme je l'ai dit, là c'est 300 subs, le prochain ce sera les 500 subs. Donc d'ici là j'espère être en plus partenaire Gamoniac, parce que Gamoniac permet de faire des concours également. Donc j'espère pouvoir être partenaire avec eux, donc j'ai déjà commencé, j'ai déjà eu des contacts avec eux, vous pouvez voir que j'ai déjà mis des intros, etc. etc. Donc du coup, voilà, j'espère qu'ils vont m'accorder ce partenariat pour que je puisse faire des concours et qu'ils me donnent des lots. Parce qu'en fait, ils donnent des lots, mais je sais plus trop comment ça marche. Je crois que c'est 40 euros pour ceux qui gagnent le concours, un truc comme ça. Enfin bref, je verrai ça avec eux, vous inquiétez pas, je vais gérer le truc. Donc du coup, voilà, la vidéo est assez longue. Comme d'habitude, démolition, ça dure assez longtemps. En général, c'est un quart d'heure minimum. Parce que forcément on a fait durer. Donc vous pouvez voir également que dans la game il y a Rage Tyranno. Donc pareil, vous pouvez faire un petit coucou sur sa chaîne YouTube et vous abonner parce que voilà, c'est un super youtubeur qui est super cool, qui est super fort en plus, c'est pas pour rien qu'il est dans la Rage. Et voilà, donc sur ce, je peux vous dire quoi de plus à part que vous commentez, likez, partagez comme d'habitude.
Pour ceux qui n'ont pas gagné au concours, je suis désolé, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Donc continuez à me suivre régulièrement. Parce que je fais souvent gagner des petites clés bêta ou alpha parfois que je reçois. Mais ça, je fais pas forcément de vidéo dessus. Ça, parfois, je le balance juste sur Twitter ou sur Facebook. Donc, restez bien connectés quoi, sur ces réseaux-là pour me suivre. Pour que vous ayez une chance, forcément, d'avoir ces clés et ces petits trucs, quoi. Ces petits trucs supplémentaires, comment je pourrais dire ça, ces petites récompenses, parce que voilà, vous me suivez, et franchement, on le dit pas assez souvent, nous, tous youtubeurs, mais c'est vrai que quand on a des abonnés qui nous suivent et qui commentent, quand c'est des commentaires constructifs, intelligents, sympas et tout, ça fait vachement plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur, et ça donne vraiment envie de continuer. Donc, merci à tous pour les 300 subs. Donc voilà, continuez à me suivre pour avoir plein de cadeaux, plein de choses. Bref, j'ai pas meublé jusqu'à la fin, je vais vous mettre une petite bande son sur le finish, hein, et voilà, donc je sais plus comment il s'appelle, la personne qui m'avait dit nanana, tu sais pas possible de faire une moab invisible, blablabla, bref. Alors c'est vrai que le gameplay il est pas super beau à voir, pourquoi? Parce que je suis resté au même endroit, forcément, du moment où l'invisibilité est là, je suis resté au même endroit, je me suis placé, j'ai joué les spawns, mes équipiers ont fait les appâts, merci encore une fois à eux, je suis désolé, hein. Voilà, donc voilà. Donc, dédicace à cette personne qui m'a dit que c'était impossible. Voilà, je l'ai faite, tu l'as sous les yeux. Donc, ne dis pas que c'est pas possible, c'est faisable. Suffit de savoir jouer, je suis désolé de le dire. Suffit d'avoir des équipiers qui t'aident également. Sans mes équipiers, je l'avoue, je n'aurais rien fait. Si j'aurais été en solo, j'aurais rien pu faire contre cet invisible parce que je n'aurais pas su où il était. Donc durant la game vous voyez aussi que je lâche la moab avant la fin, pourquoi? Parce que j'avais dans l'espoir qu'en faisant péter la moab l'invisible quitte, mais en fait non, il est resté jusqu'à la fin. Tout simplement ouvrir son score à la fin, alors, vous verrez son pseudo en plus parce que vous aurez une petite surprise sur le pseudo du lobby. Et voilà, bref, franchement les lobbies vous faites pitié, arrêtez, achetez-vous un level, je sais pas quoi, je sais pas, faites quelque chose, dégagez de ce jeu, parce que vous faites vraiment chier, voilà. Je préfère vous le dire clairement les choses, même si mon langage est un peu cru, voilà, vous faites vraiment chier, vous servez à rien, vous êtes nul en plus. Voilà, c'est comme ça, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vie, tout simplement. Je suis pas le seul à le dire, d'autres youtubeurs vous le disent plus gentiment, mais ils n'en pensent pas moins. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous dis à plus. Bonne fin de vidéo, commentez, likez, partagez un maximum. Je compte sur vous de lâcher un maximum de likes pour cette moab invisible. Voilà, pour qu'on prouve à ces invisibles qui sont pas si immortels que ça. Et si forts que ça, on va dire. Et puis voilà, félicitations encore une fois à Lightmax. Allez, bye bye les amis. A plus pour une prochaine vidéo.